Salut à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de ce mode carrière sur FIFA 16 consacré à l'équipe de Notts County. Dans le dernier épisode, on a réalisé un petit exploit hein, en éliminant West Ham United. Un bel exploit même, franchement, parce que c'était un très très beau match qui m'a vraiment beaucoup plu. On a également battu l'équipe de York City très très difficilement grâce à un but de Mike Edwards alors qu'il avait il avait à peu près tout foiré dans ce match. Dans cet épisode, on va jouer donc contre Oxford United. On enchaînera derrière avec un petit match des familles contre Newport County en FA Cup et un match de G-Paint Trophy, ça doit être le quart de finale je pense. Contre les Burton Albion. Donc voilà, on revient sur on revient sur les affaires courantes un petit peu. Donc ça va être un petit peu moins foufou que lors du match précédent. Au classement général, on est toujours deuxième avec 2 points de retard sur Luton Town qui fait un championnat de fou. Derrière nous, on a Morecambe qui a 6 points déjà. Et derrière, c'est encore plus loin, le quatrième est déjà à 10 points de nous. Ce sont les Bristol Rovers, Portsmouth, Leyton, Orient et Northampton Town ferment la marche des équipes qui peuvent disputer les playoffs pour monter. On va pas perdre plus de temps que ça, on va enchaîner directement sur ce match contre Oxford. Je pense que j'ai rien oublié, j'ai dû faire 2-3 petites affaires entre temps, je me rappelle pas très bien à vrai dire. On va enchaîner directement donc avec ce match contre Oxford United. Ah merde, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est Smith qui s'est blessé lors du dernier match. Il en a pour 4 semaines, je crois. Donc on va mettre Nicky Rowe à la place. Nicky Rowe qui a été pour le moins intéressant lors des dernières sorties. Tiens, Snyder, on pourrait peut-être le mettre aussi à la place de... Putain, il y a du monde déjà en fait là. Il y a du monde. Non, on va le laisser parce que j'ai déjà 2 attaquants. Allez, on va mettre à la place de Jenner qui m'a pas forcément emballé. Pour le reste de l'équipe, on est à peu près frais, quoi qu'il faudrait peut-être que je fasse tourner McLeod. On va redonner sa chance un peu à Campbell. Et à Bora, on va mettre Noble à la place qui est toujours bon sur les coups francs. Ça peut être appréciable à Ojunin. On va le laisser. Le reste, ça me semble correct. Oui, c'est ça. On valide. Et on va donc attaquer ce match contre Oxford United comme ça. Tout juste le temps de récupérer pour les hommes de Ryan Giggs qui venait de réaliser l'exploit d'éliminer West Ham hein, en capital One Cup. Et il devait déjà se déplacer sur la pelouse d'Oxford United au Kassam Stadium pour y défier les locaux. Oxford United avec Slocum dans la vue, une défense Mullins, Baldock associé à Wright, Grant milieu de terrain, Odonda, Sercombe, Collins, Roof et Oban associé à Taylor en pointe. Du côté de Notts County, Roy Carroll bien entendu en début, une défense et Witch, Prockel, Amevor, Milsom à gauche, Svertz et Noble associés au milieu de terrain à Nicky Rowe, Ayers à gauche, Ao Junmin à droite et Adam Campbell seul en pointe. Notts County qui restait hein, toujours meilleure défense et assez aisément de League 2. Une défense qui avait largement contribué à sa victoire. 1-0, étriqué certes, mais victoire tout de même face à West Ham. Et ce sont les Magpies qui allaient donner le coup d'envoi avec Nicky Rowe qui relance derrière rapidement sur Sprockel, le changement d'aile pour Milsom. Milsom qui accélère côté droit face à Oban. Le petit crochet, il élimine, il remet sur Ayers. Ayers face à 2 joueurs, il rejoue avec Milsom. Milsom qui s'infiltre, qui se place, qui centre, le centre. C'est pour Adam Campbell, la tête, la transversale et le but. 2 minutes 30 de jeu sur leur première action. Les Magpies qui ouvrent la marque sur un but superbe hein, de l'ancien pensionnaire de St. James Park, Adam Campbell, le double Magpie. Qui est pourtant pas grand, hein, il fait 1m68 Adam Campbell. Et sur cette action, il arrive à crucifier vraiment toute la défense hein, de la tête. On voit le beau travail de Milsom. Le centre subtil du droit. Et Adam Campbell en reculant qui arrive à placer sa tête juste sous la barre, imparable pour le pauvre Slocum. C'est en fait, c'est juste sous la barre mais c'est le poteau hein, qui fait rentrer le ballon. 1-0 après 2 minutes 30 de jeu et vous voyez la joie partagée avec Mike Edwards qui était sur le banc à l'occasion de ce match. 21 minutes de jeu à présent avec Adam Campbell que l'on retrouve. Adam Campbell qui s'appuie sur Ayerst.
Hayhurst qui déborde côté gauche, accélération, perd du ballon de Hayhurst, mais la faute de Baldock qui va donner un bon coup franc pour les Magpies. Un coup franc sur lequel Milsom sera le premier à se placer, mais c'est une nouvelle fois Liam Noble qui va le tirer. Vous voyez que l'arbitre place le mur à 9m15, bien entendu. Liam Noble qui s'est beaucoup entraîné, paraît-il, ces derniers temps au coup franc. Tout comme Milsom, le pied gauche de Milsom pouvant répondre au pied droit de Liam Noble suivant la nécessité. Et Liam Noble à 38 mètres qui va peut-être chercher quelqu'un dans l'axe, mais il préfère la tenter direct et ça passe légèrement à côté. Il a un peu manqué sa frappe, un peu trop d'effet peut-être dans le ballon de Noble. On va revoir ça rapidement au ralenti avec la frappe qui est bien enroulée, ouais, mais qui passe assez nettement à côté. Début de Slocomb, 25 minutes de jeu, Adam Campbell qui récupère à nouveau le ballon. Le double 1-2, ça revient sur Campbell. Campbell qui passe à Nikiwo, seul, qui frappe le poteau, qui repousse le ballon. Et Liam Sercombe, l'ancien d'Exeter, qui peut se dégager. On est à la 57e minute de jeu à présent, avec la rentrée d'Alex McDonald, la sortie de Kemar Roof. Assez décevant hein, lors de ce match, il faut bien reconnaître. Et l'entraîneur d'Oxford qui joue un peu ses dernières cartes. Hein, face à la domination sans partage de Nottingham dans ce match. Soixantième minute de jeu à présent avec Gilsbert qui récupère un ballon. Il a vu le bon décalage, il préfère s'essayer tout seul à la grosse frappe de Gilsbert, mais c'est repoussé par Slocombe. La récupération du ballon de Liam Noble qui essaie de se retourner. Nubble qui se retourne la passe pour Milsom et Milsom qui perd le ballon, récupération d'Alex McDonald. 74e minute de jeu à présent avec Nicky Lowe qui rejoue dans la profondeur sur Hayhurst. Hayhurst qui évite le tacle de Baldock. Hayhurst qui repique au centre, qui prend son temps, qui s'infiltre, qui frappe et qui marque au terme d'une chevauchée absolument fantastique. Le but de Hayhurst, il n'en a pas marqué beaucoup hein, début de cette saison, le petit Will Hayhurst qui est encore assez jeune. Mais le beau débordement sur cette action, on revoit hein, le tacle évité, il s'infiltre dans la surface, il n'est pas attaqué, il est bien placé, il avait l'occasion de centrer avec Adam Campbell. Il a préféré tenter la frappe, bien lui en a pris puisque Slocombe avait anticipé le centre visiblement, Slocombe qui se trouve totalement sur cette action. Et évidemment la grosse joie hein, des joueurs de Notts County et des supporters qui avaient fait le déplacement jusqu'à Oxford. Deuxième but en Football League 2 pour Will Hayhurst. Et le changement à suivre du côté d'Oxford avec la sortie de Patrick Oban, quasiment transparent dans ce match, et la rentrée de Danny Hilton, le numéro 10 de l'équipe d'Oxford, qui va tenter d'apporter un petit peu d'allant à cette équipe bien moribonde, faut le reconnaître, jusqu'ici dans ce match. Il y a un quart d'heure de la fin, ce sont donc les joueurs de Notts County qui mènent 2 buts à 0, et Ryan Giggs va en profiter pour faire quelques changements. Snyder, Edwards et Bennett qui rentrent, les sorties de Hojunmin, Gilles Vert et Nicky Rowe. On en profite hein, pour faire tourner du côté de Notts County, avec notamment la rentrée du vétéran Mike Edwards qui a tout récemment marqué son premier but de la saison. Allez, l'engagement au Kassam Stadium avec les joueurs d'Oxford qui remettent devant derrière avec Baldock qui remet sur Mullins. Mullins pour Wright. Wright qui perd le ballon, récupération de Milsom. Milsom qui temporise. Milsom qui résiste au retour, il repasse sur Hayes. Hayes pour Campbell, la frappe c'est repoussé par Slocombe, ça revient sur Adam Campbell. Et le 3 buts à 0, une vague noire et blanche hein, véritablement sur les buts d'Oxford. Et le troisième but, donc, pour Adam Campbell et sa célébration assez particulière, dira-t-on. Gros travail, hein, on le revoit, de Hayhurst. Et la frappe, assez chanceuse, hein, faut le reconnaître, parce qu'elle revient vraiment sur lui. Mais le beau réflexe, tout de même, d'Adam Campbell, qui inscrit son deuxième but dans cette rencontre. C'est son premier doublé cette saison à l'ancien attaquant de Newcastle. Troisième but en Football League 2 pour Adam Campbell avec ce but à la 79e minute, 90e minute de jeu. On est dans les arrêts de jeu
Milsom qui remet sur Edwards, qui rejoue avec Ayerst. Ayerst le crochet sur Baldock. Il accélère Ayerst, il a du champ, il tente de résister. Et la faute de Baldock, nouvelle faute de Baldock qui aura offert beaucoup, beaucoup de coups francs au pied droit de Liam Noble dans ce match. Liam Noble qui se place, hein, bien évidemment, la petite cérémonie de l'arbitre qui veille à placer le mur à bonne distance. Une nouvelle fois, et le pied droit de Liam Noble qui va peut-être, peut-être pouvoir inquiéter Slocomb, Scott Slocomb, un des espoirs, hein, dans les cages du football anglais. Liam Noble qui prend son élan, qui temporise, qui se concentre. La frappe de Liam Noble et ça passe très très largement au-dessus, complètement raté. Cette frappe de Liam Noble, c'était les arrêts de jeu, c'était l'occasion de terminer parfaitement ce match. Ce sera pour la prochaine fois pour le milieu de terrain de Notts County. Allez, le dégagement à suivre de Scott Slocomb. Long dégagement. C'est pour la tête d'Edward. Ça revient sur Bennett. Bennett qui tente de remettre sur Edward. La récupération d'Hilton. Hilton qui... c'était Wright. Et Hilton qui récupère le ballon, qui attaque côté gauche. Retour de Scott Bennett qui remet sur Ayerst. Ayerst qui joue avec Mike Edwards. Edwards pour Liam Noble. À nouveau pour Edwards qui tente de lancer dans la profondeur pour Milsom. Milsom qui a une belle occasion. Il a du monde au centre. Milsom qui tente le centre. C'est complètement raté. Et la tête de Snyders qui n'inquiète pas Slocomb qui va pouvoir se dégager et permettre à l'arbitre de siffler la fin des débats. Vous l'entendez, le public n'est pas ravi, bien entendu, hein, du résultat. Belle victoire, 3 buts à 0, hein, des joueurs de Notts County sur la pelouse du Kassam Stadium. Quelques jours à peine après leur exploit face à West Ham United, les joueurs de Notts County qui font grosse impression, hein, ici face à Oxford United et le pauvre Scott Slocomb qui n'aura pas pu faire grand-chose. Hein, face à la déferlante Magpies, belle victoire, 3-0, but de doublé de Campbell et but de Ayerst à la 75e. Bon, voilà un match très 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 tranquille. Vous voyez que Will Ayerst se tape un 9,4, ce qui est quand même pas dégueulasse. Domination outrageuse, à part le tir sur le poteau d'Oxford United en début de match. Sinon, clairement, on les a pas vus. On les a pas vus du tout. 16 tirs, 11 tirs cadrés. Alors j'ai tenté des frappes de loin quand même, hein, histoire de faire un peu le spectacle. C'est pas passé, j'ai complètement merdé tous les coups francs. Donc voilà, c'était un match très tranquille. Je finis avec un petit 3-0 des familles à l'extérieur. Je vais pas me plaindre. Pendant ce temps-là, et ben, nos amis de Luton Town ont fait match nul contre Mansfield Town. Parfait, 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 parfait. Très très bien tout ça. Ça veut dire qu'on remonte à égalité. Alors, il va se passer plusieurs choses. Là, on va déjà commencer. Je vais faire les entraînements vite fait. Alors. On a dit 1, 2, ok. Ah, j'ai que deux mecs en... D'accord. Et ben, on va entraîner ces petits gars-là. Déjà, pour commencer, on va rester sur du facile. Plutôt, lui, il est quoi? Buteur? Et ben, plutôt la frappe, non? Parce que tout ce qui est vitesse, je crois qu'il n'y a pas moyen de le travailler. Il n'a pas une bonne base là-dedans, donc on va partir sur de la finition de près pour ce monsieur. Et son petit copain Magellan, la future star, il va faire exactement la même chose. Voilà, on y va doucement pour les petits Jones. Adam Campbell qui nous a claqué un petit doublé, son premier de la saison. Et ben, est-ce qu'il ferait pas le même exercice? Et ben, il va faire la même chose. Il va faire la même chose vu qu'il est déjà rapide. S'il peut améliorer sa finition, c'est pas mal. Au milieu, on a Kyle De Silva qu'on continue à faire travailler. Tiens, ce sera peut-être contrôle facile pour lui. Non. Dribble rapide. Ah, dribble rapide, ça pourrait être pas mal. Allez, on lui met du moyen. Et un dernier, j'imagine que ça va être Hewitt. Ouais, ce sera Hewitt. Qui va travailler la défense à 2 contre 2, au moins contre 1. 2 contre 2, 1 contre 1. Non, à 2 contre 2 comme ça, il travaille le marquage. Également, c'est parti. Donc, on est également le 1er novembre, ce qui veut dire qu'on a terminé bien. Ah, dommage pour De Silva. Sinon, c'est pas mal. Dans l'ensemble, ils ont bien taffé tous.
L'ami Adam Campbell nous a même pris un petit niveau au passage. Il est passé à 64, c'est bien, il rejoint doucement McLeod. Peut-être commencer à se montrer très intéressant, le petit Adam Campbell. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, un petit tour au bureau, rapport mensuel sur les jeunes joueurs, ça peut être intéressant. Donc, mais putain, il est milieu de terrain, pourquoi je l'ai raté celui-là? Merde! Bon, bah tant pis. Vous voyez que j'ai quand même récupéré des joueurs assez corrects, hein. Il faut les faire bosser les deux de 17 ans parce qu'ils ont vraiment un général très faible. Mais c'est quand même pas mal du tout. Joachim Magellan, on va le laisser aussi longtemps que possible dans le centre de formation. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Tout ça, hop, je vous le passe. Je me le regarderai tout seul en traître, histoire de pas vous emmerder avec ce genre de choses. Voilà. Et email de joueur. Ah merde, Gramberg, j'avais oublié. Ah, le con. Désolé, Graham, vraiment, c'est pas grave, de toute façon, t'es pas. Voilà, bref. En plus, j'ai mis un remplaçant, mais bon, on peut pas dire qu'Adam Campbell ait été mauvais, donc voilà. Et donc, on est le premier, donc on va se faire un petit rapport équipe des familles, histoire de voir l'évolution de nos joueurs. Déjà 23 matchs de disputés depuis le début de la saison, et Roy Carroll a toujours été titulaire. Roy Carroll, qui est un ancien de Manchester United, j'ai découvert ça très récemment, et Roy Carroll qui a des bonnes stats, qui continue à progresser, il a juste perdu un point en agressivité à 38 ans. Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal. Scott Loach qui ne joue pas, évidemment, ça n'a pas bougé. Elliott Hewitt, 66 plus 3, ça commence à être très intéressant, Elliott Hewitt, d'autant que les stats défensives ont tendance à beaucoup monter. On voit tacle glissé, on voit tacle debout. Je sais pas si ça peut monter à plus de plus 5 sur une saison. On essaiera de voir ça. Si ça bouge pas, peut-être que je le ferai un petit peu plus. Tourner Amévor qui est latéral droit à la base, qui joue beaucoup aussi, il a 66 plus 2 également, on commence à avoir une défense qui a de la gueule, là aussi les notes défensives sont vraiment pas mal, et dans l'ensemble c'est vraiment pas dégueulasse aussi. Michael Boxall, 60 plus 1, il a pas beaucoup joué, hein, il a disputé que 8 matchs comparé aux 17 et aux 18 de Amévor et Witt, c'est pas grand chose. Mais il progresse petit à petit. Sivard Spockel, qui a pas mal joué, lui a beaucoup perdu en physique. Il a quand même fait 16 matchs pourtant. Hein. Mais voilà, il commence un peu à baisser l'animal. À 32 ans, c'est assez normal. On verra s'il faut s'en débarrasser ou pas. On voit aussi que la différence avec Scott Bennett est de plus en plus ténue. Mais ils ont à peu près fait le même nombre de matchs, hein, cela dit. Et Scott Bennett, donc 63 plus 1, ça progresse légèrement. Mike Edwards, qui continue à baisser, hein, 61. Le défenseur de 35 ans qui est clairement sur la descente. Un but en tout et pour tout, une passe décisive également en tout début de compétition. Thierry Waddell qui avait marqué hein, également en Football League 2. Seulement 3 matchs, lui il a pas beaucoup joué. Il baisse pas, c'est déjà pas mal, mais il est qu'à 58. On va chercher à s'en débarrasser, notre petit français, assez rapidement. Léonel, et non pas Luis, Léonel Morales progresse légèrement à 27 ans. C'est presque inespéré. Ça nous fait du 65, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il a fait disputer 5 matchs déjà. Jianzi Peng en a disputé que 2 et ça a pas bougé. Il est un petit peu plus jeune mais il progresse pas. Vous voyez qu'il a pas trop de morale. Hein. Animal, on va essayer de lui donner un petit peu de temps de jeu. Rhys Sharpe qui est prêté à nos adversaires de Luton Town et qui n'a pas encore joué progresse. Il est à 56 plus 2 à 21 ans, c'est pas mal. Gilsvert, le Belge, qui baisse pas mal alors qu'il a beaucoup beaucoup de temps de jeu. Vous voyez que il gagne en technique, par contre sur le mental et surtout le physique, ça perd. Pas mal, Stanley Abora qui continue à progresser à 28 ans, 67 plus 1, c'est là aussi presque inespéré. Beaucoup dans le temps de jeu, 3 buts déjà hein, pour Stanley Abora, intéressant. Alan Smith, 35 ans, désormais 65, ça baisse un petit peu, il coince un peu, hein, Alan Smith. Je pense que c'est un peu la figure de proue de l'équipe, donc on va le garder quelques temps tout de même. Robert Milsom, 64 plus 1, il va dans le sens inverse, il progresse pas mal en technique à 28 ans, c'est plutôt intéressant, il joue beaucoup beaucoup à arrière-gauche, ça va peut-être changer désormais. Liam Noble, 59 plus 2, lui aussi a pas mal joué, hein, 13 matchs, c'est surtout pour les coups de pied arrêtés qu'il est là, alors j'ai pas encore marqué avec lui et j'en ai raté pas mal. Vous voyez que techniquement ça progresse vraiment pas mal, 59 et c'est plutôt sur la bonne voie, même si c'est assez faible. Je pense que je vais continuer à lui donner du temps de jeu parce que bah, tout simplement voilà, il est bon coup franc quoi et que j'aime avoir un tireur de coup franc. Nicky Rowe lui a plutôt perdu notamment en physique et en mental, il reste tout de même à 63 du haut de ses 30 ans, 15 matchs hein, quand même pour Nicky Rowe dont deux buts, il nous a sorti de la merde plus d'une fois l'air de rien. Will Ayers qui a marqué un but magnifique et qui a mis un beau centre sur la tête d'Adam Campbell dans le match précédent, qui progresse 21 ans, il est juste à plus 1, 62 mais il progresse dans
tous les secteurs de jeu en fait à part le physique, ce qui est pas trop grave parce qu'en physique ça va. Par contre il a beaucoup joué, ça progresse pas très vite quand même pour le reconnaître. Kyle De Silva quant à lui est à 64 plus 2, c'est vraiment, c'est plutôt intéressant, hein, ça progresse en technique. J'aimerais bien qu'il gagne un peu en vista et en placement offensif, mais bon, on va lui laisser du temps. L'animal Hao Junmin, la petite star de l'équipe, 68 plus 1, ça progresse pas des masses, il a 28 ans, hein, on s'y attendait un petit peu. 850 000 de valeur, ça peut être intéressant. Gennaro Snyders est à 66 plus 1 également, il continue à progresser, il va y avoir de la concurrence dans l'équipe les enfants très rapidement. Vous voyez qu'il a progressé plutôt sur des choses très intéressantes pour un latéral droit, puissance frappe, tir de loin, longue passe, contrôle et centre, même dribble, c'est que du bonus pour Gennaro Snyders. Adam Campbell qui monte à 64 donc. Ça nous donne plus 2 et lui vous voyez qu'il progresse dans tous les secteurs de jeu, il est très jeune donc c'est assez normal, on va essayer de le faire progresser encore quelques temps, peut-être qu'on va garder quelques saisons. Hein. Adam Campbell à qui on a donné quand même pas mal de temps de jeu, 19 matchs joués, 4 buts seulement, c'est pas énorme, et 2 passes décisives pour le petit Adam Campbell. Izel McLeod qui lui est à 7 buts en 14 matchs, ça fait du 0,5, il a moins joué que Adam Campbell, ça je suis assez surpris. 3 buts en Football League, tout 4 buts en Capital One Cup, hein. on le sait, c'est lui la star de la Capital One Cup, vous voyez qu'il a 8,40 de moyenne, c'est absolument énorme, mais il perd un peu physiquement et vous voyez que les notes commencent sérieusement à se rapprocher. Ça commence à sentir un peu le sapin pour Izel McLeod, qui reste toutefois mon titulaire en puissance. Philippe Valencic, plus 2, il a été blessé pendant une certaine période. Là, 60 donc plus 2, il a gagné un peu dans tous les secteurs techniques, c'est assez intéressant. Seulement 5 matchs, pas encore de but pour Valencic, on va peut-être lui donner un petit peu plus de temps. Je trouve qu'il a une tête, il ressemble un peu à Titoff, vous savez le comique. Graham Burke qui a donc chouiné après le dernier match pour ne pas avoir joué, il progresse également en technique, 4 matchs joués, 2 buts, ce qui est quand même pas si mal que ça hein, pour Graham Burke, peut-être qu'il faudrait lui donner un peu plus de temps de jeu, on va y réfléchir. Jonathan Stead qui est prêté à Preston, on sait pas s'il a joué mais par contre il a perdu, hein, il a perdu en physique et en mental, ça sent le sapin également pour Jonathan Stead et donc Julian Jenner. 64 à 31 ans, il perd en physique, il a été blessé pendant un bon moment, il est plutôt sur la pente descendante qu'autre chose, l'ami Julian Jenner. Bien, bah voilà, on a bien avancé là-dessus, tac tac tac, ok, on va avancer, les entraînements sont faits, ok, et on va filer tout droit vers ce petit match, donc contre Newport, quand il est le temps de jeter un œil. Ok, ok. Ah, joueur appelé en sélection, Morales, Boxall, Zipeng. Et pas de... Tiens, c'est bizarre, notre petite star, Hao Junmin, n'est pas appelé en sélection. Très bien. Rapport final. Mise à jour. Rien de foufou. On va effacer tout ça. Hop là. Et je vais le regarder de mon côté. Hein. Tout ce qui est recrutement, etc. On va attaquer ce match contre Newport County. Premier tour de FA Cup avec cette opposition entre l'équipe de New Notts County et celle de Newport County ici au middle lane de Nottingham. Un tirage plutôt clément hein, pour les Magpies qui affrontaient une équipe qui n'est pas forcément très très bien classée en football. League 2, Loach dans les buts du côté de Notts County, son premier match de la saison, une défense Morales, Amever, Bennett et Witt, Sabora Noble et Kyle De Silva associés au milieu de terrain, Jenner à gauche, Snyder à droite et Graham Burke choisi pour être aligné en pointe. Day dans les buts du côté de Newport County, une défense Taylor Hughes, Poole milieu de terrain, Elito, Klukowski, Josh Laurent, Byrne, Rodman et en attaque Ansa associé à quelqu'un que j'ai pas vu. Ce sont les locaux qui allaient donner le coup d'envoi. Les joueurs de Notts County qui avaient fait grosse impression hein, lors du dernier match en marquant un but après seulement 2 minutes de jeu. On s'en souvient par l'intermédiaire d'Adam Campbell. Là, on retrouve Elliot Hewitt sur l'engagement qui part côté droit. Elliot Hewitt qui repique au centre. Elliot Hewitt qui a du champ, il tente la frappe. Et la frappe qui passe tout près des buts de Day qui n'est toutefois pas inquiété. On s'en souvient en championnat, cette équipe de Newport County avait fait douter l'équipe
De notes, Kanti menant jusqu'à la 70e minute de jeu, je crois, sur un but de Josh Laurent avant que l'équipe ne sombre quelque peu et qu'il ne s'incline. 3 buts à un Elliot Ewitt que l'on retrouve 26e minute avec une passe pour Graham Burke. Gros tacle sur Graham Burke. Et Liam Noble et les joueurs de notes Kanti qui vont bénéficier d'un bon coup franc à environ 23-24 mètres face au but. Liam Noble qui place le ballon. L'arbitre qui met le mur constitué de 4 joueurs à 9,15 m. Vous voyez la petite bombe hein, qu'on a découvert lors du mondial 2014, toujours utile pour les arbitres. C'est quasiment un défi là, hein. Liam Noble contre Chris Day. Liam Noble qui prend son temps, 23 mètres face au but. Liam Noble qui tente la frappe enroulée, la belle frappe de Liam Noble mais qui heurte malheureusement la transversale, la tête de Snyder. Et Jack Day qui récupère le ballon, la passe, la touche pardon, 32e minute avec Liam Noble qui récupère le ballon, qui rejoue sur Stanley Sabora, Sabora qui passe pour Graham Burke qui se retourne dans la surface sans problème. Et Day qui est véritablement crucifié. L'ouverture du score après 33 minutes de jeu ici à middle lane pour Graham Burke qui a été très très décrié hein, ces derniers temps. Et là sur cette belle passe de Sabora, Graham Burke qui mystifie son défenseur, ça fait un but à zéro, un peu de passivité hein, de la part de la défense de Notts County, de Newport County pardon toutefois. Malgré tout c'est bel et bien Graham Burke qui ouvre la marque, un but à zéro après 34 minutes de jeu. Premier but bien évidemment en FA Cup pour Graham Burke. Son troisième pour l'instant de la saison. Liam Noble qui passe sur le côté droit à Snyder. Snyder qui rejoue sur Graham Burke dans la course pour Kyle De Silva. Kyle De Silva qui tente la frappe, c'est raté. Snyder qui récupère le ballon, la frappe du gauche. Et 2 buts à 0. On était à la 40e minute de jeu. Et Gennaro Snyder tout content hein, que ce ballon touche ou lui tombe dans les pieds. On va revoir ça avec Snyder au départ de l'action. La passe pour Burke. Burke pour De Silva. De Silva qui est gêné sur sa frappe. Et Snyder qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 2-0 après 40 minutes de jeu. La qualification est très 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 bien partie pour les joueurs de Notts County. Il n'avait pas marqué encore je crois cette saison. Gennaro Snyder est assurément pas en FA Cup bien entendu. On est juste avant la mi-temps avec la perte du ballon là de Liam Noble qui rejoue sur Kloutkowski avec Ensa qui se retourne, Ensa qui tente la passe pour Kloutkowski. La grosse frappe de Kloutkowski qui frôle le poteau gauche, début de Roy Carroll. On va revoir ça, elle est superbe cette frappe, un tout petit peu trop enroulée et elle ressort. Mais c'était très très chaud là sur les buts de Notts County. Steve Loach qui remet sur Amebor avec Elliot Hewitt. Elliot Hewitt qui remet sur Liam Noble. Liam Noble pour Gennaro Snyder. Snyder, la petite passe, c'est pour Graham Burke. Graham Burke dans la profondeur pour Kyle De Silva. De Silva qui prend son temps, qui décide de passer à Jenner. Jenner le tacle. Et le troisième but juste avant la mi-temps. Une crucifixion juste avant la mi-temps, véritablement. Parce que à 3 buts à 0, on voit pas vraiment comment les joueurs de Newport County pourraient revenir. La frappe de Kloutkowski vient tout juste de frôler les buts de Roy Carroll. Ça aurait pu donner 2-1, mais c'est bien sur un score de 3 buts à 0 que vont rentrer les joueurs de Newport County au vestiaire. Et le but de Jenner qui fait marquer tout le trident offensif hein, de l'équipe de Newport County avec Graham Burke, Julian Jenner et Gennaro Snyders. Deuxième mi-temps à présent, 59e minute de jeu. Et Newport County qui tente de conserver le ballon. Ils sont bien bien pressés hein, par les joueurs de Notts County. Hughes qui passe pour Burn. Interception de Kyle De Silva. Accélération de Kyle De Silva. Kyle De Silva qui prend son temps. Il a vu le départ de Liam Noble. Liam Noble pour, qui décale pour Gennaro Snyder. Snyder qui frappe. Et c'est bien repoussé cette fois-ci par Day. On en restera là, une seconde mi-temps beaucoup beaucoup plus calme que la première. Les joueurs de Notts County qui ont véritablement géré hein, en deuxième mi-temps. Ryan Giggs en a profité pour faire tourner, bien entendu, la joie des spectateurs présents à middle lane.
Belle victoire, hein, 3-0 des Magpies face à Newport County, déjà éliminé de la compétition. Notre Santi qui s'impose donc 3-0, un premier but de Graham Burke, un deuxième de Snyders et un troisième de Julian Jenner au 33, 41e et 45e minute. Bon, un nouveau match tranquille décidément, après une série où j'ai plutôt galéré. Ils ont pas donné grand chose Newport County, enfin en fait je les ai écrabouillés tout le début de match. La fin de match, je vais pas dire qu'on m'a pas vu parce qu'il faut pas exagérer, mais ils ont été beaucoup plus présents. Ils ont eu 2-3 occasions bien tendues, dont une notamment où c'est le gardien remplacement que j'avais mis, Scott Loach, qui sauve les meubles. Que dire? Ouais, pas mal d'occasions en début de match, et puis surtout, hein, on va y revenir, je sens que ça va encore faire comme sur FIFA 14, c'est-à-dire que les coups francs, il y a le signe indien sur FIFA 14 qui va faire que je vais pas marquer sur cette... de coup franc sur ce mode carrière. J'ai réussi à marquer avec la balle. Et là vous voyez qu'il est pas mal. Ça frôle la lucarne, mais c'est pas lucarne. Il manque 2 cm plus bas et ça fait transversal, ça rentre. Mais non, ça veut pas. Donc voilà, hein, on en reste là. Qualification FA Cup assez tranquille, hein, on va pas se plaindre. On va retrouver au prochain tour Portsmouth, Carlisle, Cambridge, Dagenred, York City et Oxford United qui sont passés. C'était donc le premier tour, hein, tout premier tour de FA Cup. Donc voilà, une bonne chose de faite. Allez, on refait les petits entraînements. On va essayer de pas rater le mec qu'on a raté le dernier coup. On va le concentrer sur les dribbles, sur les frappes, pardon, lui. Quoique je pourrais peut-être le m'acharner un peu sur ses points forts. Comment il est niveau dribble? Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bon, et ben... création d'occasion... Non, on va rester sur de la finition de près pour lui. De même que pour Magellan, je vais juste jeter un coup d'œil à ses qualités de dribbleur, c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est carrément pas mal. Allez, et ben parcours de dribble pour Magellan. Alors, on en a raté un apparemment. Ah, il était là, c'est pour ça que je l'ai raté, le Jorgensen. Qui part de très très bas. Non, pas de contrôle facile, hein, on va y aller doucement avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon qui pourrait être intéressant? Parcours de dribble? Ouais, Ah non, passe précise, très bien, passe précise, voilà. Parfait pour le milieu de terrain. Ensuite, Adam Campbell, un petit tac, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Contrôle. Bon, allez, on le laisse sur la finition de près. Et le dernier exercice a pris... Ah merde, du coup, il faut que je choisisse entre Kyle De Silva ou Yewit. Et ben ça va être pour Yewit ce coup-ci, avec une bonne défense en deux contre deux des familles. Allez, en avant gagnant, messieurs, dames, on envoie... N'hésitez pas à passer des niveaux, hein, ça m'arrange. Et c'est pas la folie encore que... Ouh, Torsby, il a bien pris l'ami Torsby sur ce coup-là. Allez, ça progresse petit à petit, c'est pas mal. Magellan, il est presque au niveau de mes attaquants, hein, quand même, déjà. Et il a pas du tout la tête d'un gamin de 15 ans, on dirait qu'il est plutôt qu'il a 35-40 ans. Bref, allez, on va continuer à avancer, pardon. Pardon, j'y suis pas, voilà, excusez-moi. Donc on simule, on a des mises à jour, on a des choses comme ça, je vais m'en occuper. Un petit coup d'œil donc sur le G-Pain Trophy, malheureusement on voit pas grand chose, sinon qu'on va affronter les Burton Albion. Alors on avait vu, hein, qu'on tombait contre Crystal Palace, qui est quand même pas le pire des tirages. Il restait Everton, il restait Arsenal, il restait Tottenham. On s'en tire plutôt pas mal. Et forcément, eux aussi, au niveau du championnat, parce que du coup, on n'a pas regardé ça non plus. Alors, la FA Cup, évidemment, on peut pas encore le voir. Niveau championnat, on est repassé devant grâce à notre victoire 3-0 pour un petit but. Hein, on est toujours deuxième défense. Par contre, on est passé... deuxième attaque, pardon. Mais on est passé nettement meilleure défense et on a pris l'avantage au goal à virage. Ex-aequo, donc, avec les amis de Luton Town qui montre les dents, hein. Depuis le début, 9 points d'avance pour nous deux sur le 3ème, 11 points sur le 4ème, 13 points sur le 7ème. Faut quand même faire une sacrée performance, hein, pour l'emporter la Football League 2. C'est pas facile. Que disais-je? Tac, donc les emails.
Alan Smith peut reprendre l'entraînement. On va lui laisser du temps quand même, hein, à Papy Smith. Ça, je vais m'en occuper. À part, il y a des joueurs hein, là-dedans que je vais même pas regarder. Je les ai vraiment pour la forme. Et Odell qui voudrait jouer lors du prochain match, eh bien, on va lui accorder cette petite folie à la Thierry Odell qui, c'est vrai, joue pas beaucoup. Et puis, quand il a demandé à jouer, il a été bon. Donc, on va lui laisser sa chance pour ce match de Jeppin Trophy. On en restera là, hein, après cet épisode. Dans le prochain épisode, donc, ce sera Northampton, Morecambe hein, qui est bien placé également. Et Portsmouth, il y a quand même des petites équipes sympas hein, qui nous attendent. Pour l'instant, l'actualité, c'est le match contre les Burton Albions. Donc, ce merveilleux moment où on réalise qu'on est un connard. Je me suis bien manqué, les enfants. Je viens de faire le match contre Burton Albion. Je l'ai emporté sur le score de 3 buts à 1. Avec notamment le premier but de Philippe Valensic, donc vous n'aurez pas vu. Avec surtout un putain. Alors, du coup, j'ai un doute en fait. Est-ce que c'était pas dans le match d'avant contre Newport? Ah, c'était peut-être contre Newport le but contre Denis Kiro. Ouais, c'était peut-être contre Newport, parce que si j'ai raté celui-là, j'ai peur que c'est... Non, c'était dans ce match-là. C'était dans ce match-là. J'ai marqué un super but avec Nicky Rowe de loin, une belle frappe enroulée, tout ce que... Ouais, non, c'est ça. C'était dans celui-là. C'était mon troisième but. Ils ont marqué sur penalty. Ils ont globalement dominé la possession, mais par contre, j'ai eu beaucoup plus d'action. Ils m'en ont fait baver. Ils m'ont mis à mal sur deux... Sur deux actions très très chaudes en fin de match avec des têtes qui partaient sous la barre et qui ont été sorties par Roy Carroll du bout des gants. J'ai franchement super bien joué, j'ai fait des super trucs. Et notamment j'ai fait rentrer Isel McLeod qui était sur le banc des remplaçants. En fin de match, il y a eu un jeu à deux avec Ayers en fait à un moment où Isel McLeod passe entre 4-5 joueurs. Passe en profondeur pour Ayers sur le côté. Le défenseur se déporte, Ayers sans contrôle qui passe en profondeur à nouveau. Et Isel McLeod en fait qui contrôle, il y a un des défenseurs qui revient sur lui, je fais un crochet du gauche, j'enchaîne avec la frappe enroulée du droit, mais magnifique. Ça tape poteau droit, poteau gauche, et ça ressort, et j'ai rien fait. Et donc là je vous avoue que j'ai quand même bien les boules d'avoir raté l'enregistrement sur ce match là. Parce que j'avais quand même fait un super joli match. Donc du coup, et ben on va passer directement au match contre Northampton. Normalement on aurait dû s'arrêter là, mais on va faire un petit match en plus du coup. On va dépasser la réalité vu qu'on est le 12 aujourd'hui. Alors du coup vous devriez avoir à peu près l'épisode pour le 14. Northampton 6ème du championnat. On a une grosse série là hein, qui nous attend avec Morecambe, enfin Northampton, puis Portsmouth, puis Morecambe. Donc le 6ème, le 4ème, le 3ème. C'est pas des petits bras, ça devrait donner lieu à des oppositions un petit peu plus relevées que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. J'ai une mise à jour en Suède, je sais pas combien de joueurs je suis en train de revoir. Ça me parle pas du tout et je vais pas le revoir. Ça je suis en train de le revoir lui, non, est-ce que je le revois lui? Milieu gauche, trop léger en centre, ça va pas le faire. Lui je suis en train de le revoir je crois, ok. Lui aussi, ah, il va bientôt y avoir pas mal de nouveautés. Adam Henriksson, c'est un peu léger en défense. Ça c'est bien en tacle debout, mais pour le reste c'est une catastrophe. Et cette moustache n'est absolument pas possible. Ah par contre il est pas mal pour le reste. Non mais ça va pas le faire. Mens Carlson, c'est trop léger en tacle. Ah, Sebastian Holmen, par contre ça me plaît bien. On va le superviser. Yu Young, c'est qui ça? Mais putain, mais pourquoi ils me foutent les joueurs sans contrat dans les... Christopher Tello, je dois être en train de le revoir lui aussi. Est-ce qu'on a un gardien? On est déjà en train de le revoir, donc voilà, tout est fait. Donc on enchaîne avec le match. Seizième journée de Football League 2 ici au mid lane de Nottingham. Et la rencontre entre Notts County, qui était dans une forme étincelante hein, sur ses derniers matchs, et l'équipe de Northampton, Notts County qui avait réalisé l'exploit tout récemment de battre West Ham, puis s'était débarrassé d'Oxford. Une équipe de Notts County dans laquelle on retrouve Roy Carroll dans les cages, une défense Milsom, Mamie Borch, Prokel et 8 milieu terrain Noble, Rose, Vert, une attaque A.U. Hurst, Adam Campbell et Ao Junmin. Du côté de Northampton à présent, Clark dans les buts, une défense Maloney, McDonald, Cresswell, Horwood. Milieu de terrain, Ricky Holmes, Corey, O'Toole, Byrom, Adams et Hoskins, seul en pointe.
Meilleure défense, hein, toujours naturellement pour Nonskanti qui n'a pas encaissé de but lors de sa victoire 3-0 face à Oxford. Juste avant sa belle victoire face à Nonskanti en coupe en FA Cup, puis sa victoire face au Burton Albion 3-1 en Japan Trophy. 35e minute de jeu, Aujun qu'on retrouve qui passe pour Liam Noble. Liam Noble qui s'appuie sur Adam Campbell. Adam Campbell qui prend son temps, qui décale, qui frappe. La belle frappe et c'est bien repoussé par le portier de Northampton. Un match assez pauvre hein, techniquement, tout particulièrement en première mi-temps. On se retrouve en deuxième mi-temps, 54e minute de jeu. Aujun qui rejoue sur Campbell. Campbell qui met dans la profondeur pour Caldesiva. Caldesiva qui a du champ, la frappe de Caldesiva. Et c'est pas très bien placé hein, le portier qui peut repoussé assez tranquillement. Clark qui a le bon réflexe là, mais c'est vrai que la frappe de Kyle de Silva était quand même plutôt dirigée sur le gardien. Le corner à suivre, un corner qui va être tiré par Liam Noble. Liam Noble qui vise, qui prend son temps, c'est pour le second poteau. Le corner, c'est pour la tête de Campbell. Campbell qui met la tête, mais ça passe nettement au-dessus des buts de Clark. On en reste à 0-0. Alors qu'on arrive quasiment à l'heure de jeu, 55e minute de jeu. Et donc toujours 0-0 entre Northampton et Nonskanti. Le dégagement, le ballon qui revient sur Caldesiva. Caldesiva qui rejoue avec Adam Campbell. Adam Campbell qui temporise, qui parvient à remettre sur Aujunmin. Aujunmin qui s'infiltre dans la surface. Aujunmin qui prend son temps, qui passe sur Adam Campbell. La frappe est complètement ratée, mais Clark est trop court. Et Adam Campbell qui inscrit son 4e but en Football League 2. On va revoir ça, on va revoir ça parce que vous allez voir que la frappe est vraiment, vraiment complètement ratée de la part d'Adam Campbell. Beau travail à l'origine de Aujunmin. Le centre d'Aujunmin, la reprise. Et vraiment, on sent qu'il la reprend pas comme il la veut. Hein. Il rate un peu le ballon. Et il s'en fout, mais d'un genou pour que Clark la sorte, véritablement. Qu'importe, le ballon a franchi la ligne. Ça fait 1-0 pour Nonskanti. Et ça fait donc 4 buts dans l'escarcelle du petit attaquant de poche de Nonskanti. Le double Magpie, comme on l'appelle par ici. 78e minute de jeu à présent avec Cresswell. Cresswell pour le coup franc, long coup franc, c'est pour la tête de Corey, c'est repoussé. Ça revient dans les pieds d'Aujunmin. Aujunmin qui relance loin devant pour Gennaro Snyder. Gennaro Snyder, attention avec la contre-attaque. Gennaro Snyder, il a vu le départ d'Amevor. Amevor qui est bien placé. Amevor qui hésite un peu à frapper, il préfère remettre derrière sur Kyle De Silva. La frappe de Kyle De Silva et c'est bien repoussé en deux temps par Clark. Quel excès d'altruisme véritablement d'Amevor. Nouvelle attaque avec Stanley Abora qui perd le ballon. Récupération de Cresswell. On est à la 87e minute de jeu. Byrom. Byrom qui rejoue avec Potter. Potter dans la profondeur pour Nicky Adams. Nicky Adams, il a du champ. Il s'en va battre Roy Carroll. Et ça fait un but partout à 2 minutes seulement du terme de cette rencontre. Alors qu'on avait l'impression que l'affaire était pliée. On les avait pas vraiment vus. Les joueurs de Northampton dans ce match. La frappe superbe et pas grand chose à dire. Il y aurait même peut-être une petite faute derrière parce que il est pris dans sa course, hein, Roy Carroll. Mais Nicky Adam est bien fauché. Qu'importe, ça fait un partout grâce à ce joli but hein, de Nicky Adam. Son 3e déjà cette saison à Nicky Adams en Football League 2. On est dans les arrêts de jeu à présent. Liam Noble qui récupère un ballon, qui crochette. Liam Noble qui conserve la balle. Liam Noble qui est en position de frappe. Il tente la frappe, mais ça passe assez nettement à côté. Un petit peu trop de présomption peut-être là de la part de Liam Noble. Alors qu'on revoit le superbe but de Nicky Adams qui passe sous le corps de Roy Carroll. On en restera là. Northampton qui obtient un bon match nul sur la pelouse de Nonskanti. Un but partout, un match très très étrange, hein, très très étrange véritablement, avec assez peu d'action de part et d'autre, la part belle à la défense, et Clark qui aura sauvé à plus d'une occasion hein, son équipe, même si il s'est incliné sur le but de cet homme, Adam Campbell, l'attaquant de poche de Nonskanti. Un partout donc, but de Campbell à la 57e et de Nicky Adams à la 89e.
Ah putain. Bon, eh ben j'ai franchement les boules. J'ai pas les boules pour le résultat parce que dans l'ensemble, même si en termes comptables, ça donne un peu l'impression que j'ai dominé, encore que vous voyez qu'ils ont eu très 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 largement la possession. En termes purement comptables, y a rien à dire. J'ai surtout les boules d'avoir raté l'enregistrement du match précédent pour réussir ce match dégueu. Enfin, celui sur ce match dégueulasse qui servait à rien. Oh là là, il était nul ce match. Il était mauvais, c'était une horreur. C'était une horreur. Bref, je sais pas pourquoi il m'envoie vers la boîte postale, l'animal. Je devais peut-être faire jouer quelqu'un, non? J'ai dû oublier de faire jouer quelqu'un. Bref. Alors la bonne nouvelle, c'est que apparemment Luton Town, j'ai pas vu le résultat, mais a dû perdre. Donc a fait pire que moi, ouais. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Donc du coup, mon match nul n'est pas un si mauvais résultat que ça. On va essayer de voir le résultat au petit gars de Luton Town. Bon, après, on savait hein, que ce serait des adversaires coriaces dans Southampton. Luton Town. Ah bordel, je les vois pas. Je ne les vois pas. Bordel. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je pourrais retrouver ça? Bah rencontre. Voilà. Alors, Luton Town, ah, ils avaient joué la veille, d'accord. Ils avaient perdu 2-1 face à Stevenage. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'occasion de faire le trou là. Et que du coup, et ben je peux un peu aller me faire foutre. Bon, je garde. Du coup, je prends un point d'avance et je suis tout seul en tête. Mais c'est vrai que j'ai vraiment les boules. Et encore une fois, pas tant pour le résultat qui est vraiment normal parce que Southampton a bien joué. Plus pour le contenu qui était dégueulasse. Et puis surtout, je vous dis, j'avais fait un super match juste avant. Et du coup, vous allez vous taper ce match tout pourri. Bref, on va en rester là. 16ème journée passée. Allez, je vais faire les entraînements pour la forme. Donc Campbell, parcours de dribble pour Campbell. Transby, bon, parcours de dribble aussi, allez. On va faire une grosse séquence dribble, je pense. Magellan, pareil. Il est déjà pas mal en dribble, le petit Magellan. Ensuite, on doit avoir du monde au milieu, si je dis pas de bêtises. On a des milieux, hein. Jorgensen, voilà. Jorgensen, ça va être plutôt les passes, on avait dit, hein, pour Jorgensen à travailler. Passe en profondeur, non, pas encore. Synchronisation, voilà, très bien. Et le dernier petit point, ce sera pour Kyle De Silva. Non, coup de pied arrêté, il a pas spécialement un don ouf. Finition de prêt, non. Passe, Vista. Ah, Vista, c'est pas mal. Vista, c'est pas mal. Changement d'aile, longue passe, centre, corner. Transmission. Dis donc, c'est qu'il y en a des choses. Éliminer vis-à-vis. Ouf. Dribble rapide. Ah ouais, là, ça. Je vais tenter dribble rapide, tiens, pour Kyle De Silva, un truc un petit peu plus difficile. Mais il est plutôt pas mauvais à la base dans tout ça, donc il a un C, ce qui est plutôt pas mal. Il nous a récupéré pas mal de petits points au passage, l'ami Kyle De Silva. Donc, on en reste là. Prochain épisode, donc 3 matchs au programme. Du coup, pas le match contre Northampton, puisque j'ai déjà fait. Même si j'aurais dû le faire dans le prochain épisode. Morecambe, 3ème du général. Ensuite, ce sera Portsmouth qui est 5ème, je crois. Et on terminera par l'AFC Wimbledon qui, pour l'instant, est dans la charrue. Et ils sont même pas là. Ah, si, ils sont 13ème, pardon. Décidément, j'ai pas les yeux en face des trous. On en reste là. Donc, pour ce 11ème épisode qui se sera pas vraiment passé comme prévu, j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Je vous dis à très très vite pour la suite des événements avec cette équipe de Notts County. Ciao, ciao.